Ça y est, on doit faire du cinéma. Ils se confient, racontent leur vie devant la caméra. Mam, Tonton Benoît, Marina et Mamie Rose sont les héros ordinaires de cette série d'une vingtaine d'épisodes. Diffusée sur Facebook et YouTube, elle remporte un succès totalement inattendu. Les plus réactifs sont les adolescents de 13 à 17 ans. Alors moi, je m'attendais justement à ce que ce soit plus moi, enfin plus ceux qui approchent de la trentaine, qui du coup sont un peu nostalgiques de leurs grands-parents. Et l'étonnement, ça a été ça, c'était que justement les jeunes, les adolescents soient autant attentifs à ces histoires, à ces anecdotes de personnes qui approchent les 100 ans. Quoi. C'est la lutte finale. J'ai dit, Eliette, qu'est-ce que tu me fais faire? Mais t'es gentil, cet Américain. Il me semble que je le vois encore. Il était grand. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est bon, votre souffle qui fait comme ça. Si c'était un bel homme, c'était... On va faire juste une séquence. Tu vas regarder l'appareil. S'imaginer une chose comme ça, me voir à la télé, ben, tu sais, c'est... Des milliers de vues. Une reprise à la télévision canadienne. Cette célébrité soudaine ne fait pas perdre la tête à notre star nonagénaire. Il y a beaucoup de gens qui t'ont écouté. Ah oui, oui. Parce que je ne pouvais m'écouter parce que c'est la vérité. J'ai rien inventé. Tu sais que maintenant, il y a plein de papis et mamies qui m'appellent pour que j'aille les filmer. Ah. Grâce à toi. Ouh. Qui ont envie de me raconter leurs histoires. Eh bien, les faits, ouais. Mais que ce soit pas la même, que ce soit pas la même que moi. J'étais plus heureux que moi parce que, hein, heureusement que je suis tombée sur un bon mari. J'arrête pas de le dire. C'est enregistré. Même moi, en tant que petit-fils, j'avais l'habitude, puisqu'on est très proche, d'avoir des discussions avec elle, et j'ai quand même appris pas mal de choses. Moi, je sais que j'en garderai des souvenirs géniaux, et c'est pour ça aussi que j'ai envie de continuer, d'aller rencontrer d'autres personnes de plus de 90 ans qui auront plein d'histoires extraordinaires à raconter. Le casting de la prochaine série est d'ores et déjà bouclé. Cette deuxième saison est prévue pour la rentrée. De nouvelles confidences pour le jeune réalisateur qui ne compte pas s'arrêter là.